Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud et ensoleillé. Les rivages dragons, oui! J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnork. Ça te dit, Sparks? T'as envie de bronzer sur la plage? Le dernier arrivé est à Gnork! Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces orbes et... C'est peut-être pas une bonne idée, après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur, et tiens-toi tranquille. Mais tu as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto, tu le sais bien. Ça marche! Ça marche! Voilà notre dragon! Hein? Wow! Quel atterrissage! Salut! C'est par où? La plage? Hein? Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Bien, bien. On dirait qu'on a oublié de m'inviter à la fête. On essaye de me cacher quelque chose. Un dragon? Vous avez amené un dragon, moi, Valar? Je hais les dragons. Espèce imbécile, tu as mangé mon sceptre. Je m'occuperai de vous plus tard. C'est qui ce clown? C'était Ripto, et il faut qu'on s'en débarrasse. Il nous crée toutes sortes d'ennuis ici, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens, prends ce carnet magique. Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar. Maintenant, je dois poursuivre Ripto et voir ce qu'il manigance. On se voit à la forêt d'été, d'accord? Hé, hey, attends un peu! Dans quel pétrin on s'est encore fourré, mon vieux? Bienvenue à Lueur, Spyro! Malheureusement, une bande de lézards a débarqué et a commencé à nous voler tous nos joyaux! Peux-tu les arrêter?
les tailleurs de gemmes sont trop petits pour monter sur ces échelles. Quand tu auras appris à grimper, reviens me voir à l'UE. Le dragon dont tout le monde parle. Dragon ou pas, tu devras payer une petite somme d'argent pour traverser le... Merci, monsieur le dragon. Spyro, c'est ça? Regardez les environs. Tu vois ici t'emmènera à la forêt d'été, l'un des mondes d'Avala. J'ai essayé de leur lancer des pierres, mais ils étaient trop rapides. Tu peux essayer de leur en lancer une. Si tu as la moindre... Bien joué! Suis-moi jusqu'au prochain lézard. Spyro, voyons si tu peux atteindre ce lézard tout là-bas. Pour atteindre ce lézard, tu dois bien viser.
sauver mes gemmes des lézards. Tiens. Le bonus Supervol est activé et tu peux rallumer nos lampes à gemmes. Aider à allumer les lampes, Spyro. On n'a pas encore eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Elora. Salut, moi c'est Spyro. T'es quoi, une sorte de chèvre? Je suis un faune en douille. Oh, désolé. Tu as vu les tailleurs de gemmes à lueur? Ouais, ils m'ont même donné un souvenir. Ils appellent ça un talisman. Ils t'ont offert un talisman? Pourquoi? C'est spécial? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné. Tu vois, il existe 14 talismans à Valar et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront à vaincre Ripto. Chasseur, où étais-tu passé? Je me suis perdu. Spyro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon? Vraiment? Écoute, Spyro, il est impossible d'atteindre les rivages dragons pour l'instant. Ripto et ses monstres se sont emparés du château de la forêt d'été. Tu devras parcourir chacun des mondes d'Avalar et convaincre les habitants de te donner leurs talismans. Tu peux les garder dans ton carnet. Hey, je pourrais le faire, moi. Et si le dragon mettait le feu à Ripto? Chasseur, tu ne sais même pas où tu mets tes tennis. Alors comment veux-tu qu'on te confie 14 talismans? Oh. Et si tu trouves des orbes, garde-les soigneusement. Mais je t'en parlerai plus tard. Ok, pas de problème. Je ramasse quelques talismans, je grille Ripto et j'arrive au rivage dragon pour le déjeuner.